Le prime time, en réalité, voilà, t'auras 1000 batteurs, t'auras une scène géante, t'auras des artistes qui auront bien voulu venir, voilà. On fera des covers qui seront choisis minutieusement par rapport aussi à un sens. Ça sera pas juste jouer pour jouer, parce que ça aussi c'est important. Moi en tant qu'auteur aujourd'hui, j'en ai marre de faire les choses gratuitement ou sans forcément mettre de sens. C'est bien de le faire. Il faut du divertissement pour du divertissement. Mais je pense que c'est bien à un moment donné aussi de temps en temps, voilà. Une fois de temps en temps, faire un concept où il y a aussi un peu de sens pour savoir où on va. Ce prime, en fait, il va être très très ambitieux dans le sens artistique du terme. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est une diffusion sur une grande chaîne nationale, déjà, ça c'est clair. Repris par d'autres chaînes, parce qu'on est en contact avec d'autres chaînes étrangères. Donc l'idée, c'est de faire de ce prime time quelque chose d'assez ambitieux de ce point de vue-là. Mais par contre, de garder toujours un ancrage très très local. Donc on espère rassembler 1000 batteurs sur le Champ de Mars à ce moment-là. Donc on a déjà un partenariat aujourd'hui quasi officiel avec la mairie de Paris là-dessus. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas 1000 petits batteurs avec des stars internationales. Non, l'état d'esprit est vraiment... est conçu de façon à ce que, à la fois les 1000 batteurs et à la fois les artistes qui viendront, on sera tous là pour la même cause, ça veut dire la paix en fait. C'est la paix qui est au-dessus de nous tous, en réalité. C'est ça qui. C'est la paix qui sera la star, d'une certaine manière. Voilà. Donc on va tous prêter notre talent, ce soir-là, le temps de 2 heures, on va tous prêter notre talent à cette grande cause qui est la paix en fait. Voilà. Il y aura deux façons de recruter les 1000 batteurs. Donc la première façon, c'est celle qu'on fait depuis un an. Ça veut dire qu'en gros, on demande aux gens de poster une vidéo, quel que soit l'endroit où ils sont. Ils postent juste une vidéo où il faut un break de batterie pendant 20 secondes, il fait un groove, quel qu'il soit. Et à la fin, ils disent « je bats fort pour la paix ». Donc ça, c'est une façon. Donc aujourd'hui, à ce stade, on en a plus de 350 qui ont postulé. Alors après, évidemment, il y a des gens qui ont un niveau et d'autres gens qui n'ont pas le niveau, donc malheureusement, pour le coup, on est un peu tenu par une exigence technique, donc là, on ne peut pas prendre non plus des gens qui n'ont pas forcément... Il y a une question de niveau, mais par contre, ils ont du temps pour travailler, c'est ce qu'on leur dit, on les encourage, on leur dit, mais lâche pas, moi, tous les batteurs qui ont postulé, j'ai été en lien direct avec eux, et on a jamais fermé la porte à qui que ce soit, au contraire. Maintenant, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, il y aura ce fameux bus pour la paix, qui va aller sillonner donc, toutes les routes de France, et de Belgique aussi, puisqu'on va aller chez nos amis belges ou suisses. Et l'idée, c'est que ce bus soit complètement réaménagé en studio mobile. Donc, dedans, il y aura Black Foxy. Donc, justement, ce sera donc des musiciens, basse, batterie, guitare, clavier. On reprendra des covers. Et ce bus sera ouvert systématiquement quand il s'arrêtera avec une structure locale. Donc, que ce soit une MJC, que ce soit une maison de retraite, que ce soit un centre pour autisme, etc. etc. L'idée, c'est de s'arrêter et de faire vivre le lieu entre le bus et la structure qui nous accueille. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va descendre une batterie, on va être en contact avec des batteurs locaux, mais pas que. On va être en contact sans doute avec des artistes, avec des travailleurs sociaux. Et l'idée, c'est que pendant 26 minutes, on puisse parler de la paix, en fait. Mais de quelle manière on essaie de pacifier un quartier, une zone rurale, parce que la paix, c'est très complexe. C'est la paix intérieure. Moi, j'ai ma paix à moi, intérieure, et je peux très bien être serein dans un pays qui est en guerre. Et je peux très bien être tourmenté dans un pays qui est en paix. Et c'est aussi ça, ce paradoxe. Si tu veux, on est la 5e puissance mondiale, on n'a jamais consommé autant d'anxiolytiques, tu vois. Donc ça, c'est une chose. Alors, là où moi, j'ai été dans des pays où c'est la galère sans nom, la misère noire, etc., et les gens sourient, quoi. Ils savent même pas ce qu'ils vont bouffer le soir même. Mais quelque part, heureux, tu vois, ils sont tranquilles, ils se posent pas les questions, il n'y a pas d'histoire d'impôt, de retraite, de machin, de truc. Et je pense que c'est important aussi, peut-être, de revenir aussi là-dessus. Donc, si tu veux, ça sera une façon de recruter les batteurs, de les mettre aussi en avant, donc les batteurs qui vont jouer pour le prime time, mais aussi des batteurs pour la paix, philosophiquement, c'est aussi des battants pour la paix. Venez, voilà, postulez si vous êtes batteur, si vous êtes passionné par la batterie et qu'en plus vous voulez jouer pour une cause qui est un petit peu importante, vraiment vous êtes les bienvenus. Postez votre vidéo, c'est 20 secondes, voilà, faites un petit groove, un petit solo, n'importe lequel, et puis vous regardez la caméra et vous dites je bats pour la paix, et puis à partir de là, voilà, c'est la formule magique, vous êtes avec nous, voilà, point barre. C'est aussi bête que ça, il n'y a pas plus. Après, moi je vous donne rendez-vous aussi le 12 mai, parce que le 12 mai il y a le festival Wikidrummer, et clairement faut pas le louper cette année, parce que j'ai eu la chance de connaître un petit peu la future programmation, dont un batteur, je sais pas si je peux le dire, mais je vais être comme une groupie.